Thank you.
d'être venus si nombreux ce soir, presque aussi nombreux que nous sur scène. Alors, à année exceptionnelle, concert exceptionnel, voilà, Mons 2015, ce concert que nous avons voulu bâtir avec cette équipe de pianistes, plusieurs générations, plusieurs pays. Je veux vraiment féliciter tous les musiciens pour le travail accompli et l'équipe de l'ORCV, tout le bureau, nos régisseurs qui ont eu un travail fou aussi pour construire cette scène. J'aimerais aussi remercier pour sa présence et son accueil Elio Di Rocco et dire juste un mot, la pensée que nous avons tous pour Jean-Pierre Delaunoy, dont les trois fils sont dans la salle ce soir. Voilà, Jean-Pierre, grande figure du monde musical belge. Vous l'aurez compris, il y a un lien aussi entre ces musiciens, cet orchestre, les solistes qui sont là ce soir, qui ont pour la plupart un lien avec le concours Reine-Elisabeth, qui était un peu le bébé de Jean-Pierre, l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, qui chaque année accompagne les demi-finales du concours. Donc Jean-Pierre est en pensée avec nous. Au moment où j'ai appris sa disparition, au mois de décembre, j'avais, je crois, écrit à un de ses fils que je pensais à cette grande époque européenne, je pensais à Stefan Zweig, au monde d'hier, début du XXe siècle, avec ses grands esprits, cette élégance, cette intelligence des grands esprits européens. C'est l'image que j'ai de Jean-Pierre. C'est en même temps une époque presque révolue. Voilà, je ne crois pas qu'on soit vraiment à la hauteur de cette époque-là. Néanmoins, Jean-Pierre avait aussi, en plus de l'amour de la musique, le souhait vibrant de soutenir les jeunes, les très jeunes. Et nous en avons un exemple ce soir avec Rémi Genier, qui est lauréat du concours, de la dernière édition du concours. Julien Libert, qui a été artiste en résidence à La Chapelle, qui est elle-même dirigée par Bernard Delaunoy. Voilà, tout ça, c'est une grande famille de la musique, famille belge et même internationale. Et avec cette figure tutélaire de Jean-Pierre qui, voilà, à qui on pense très tendrement, affectueusement ce soir. Merci et nous continuons avec Jean-Claude Van den Heyden et Anne Kefelek qui nous rejoignent. Merci. Thank you.
là sonnera avec cette, ce côté complètement suspendu, en lévitation totale. Voilà, donc il rêvait peut-être déjà ou qu'il n'a pas imaginé et que nous avons entendu ce soir. Donc pour mon plaisir, le bon, j'espère, le mouvement. Je voulais leur remercier au nom de mes collègues pour...